C'est vrai qu'à chaud, je pense que le bilan a l'air plutôt favorable si on s'en réfère aux exposants, au public. Le dernier comptage fait état de 52 000 entrées sur une première édition. C'est vrai qu'on ne savait pas où aller et on avait un objectif qui était plus aux alentours des 30 000. Et si on est aux 50 000, donc on est ravis. Donc succès populaire apparemment, succès aussi d'estime auprès des passionnés et des professionnels. Succès au niveau de la radio, je pense que ça s'est bien passé. Alors, notre bourse, la première bourse horlogère qui a été organisée à Besançon depuis très longtemps, vient du fait que France Bleu Besançon a décidé de faire cette grande manifestation horlogère. Et ils ont réuni tous les acteurs de la profession sur Besançon. Donc nous, notre association en fait partie. Nous avons donc 26 exposants qui sont installés sous cette magnifique halle, enfin plus exactement arcade du palais Granvelle. Donc c'est vraiment pour nous, on est en plein centre de cette manifestation, c'est tout à fait satisfaisant. Notre association, on est 1350. Donc si vous voulez, l'information auprès de nos adhérents est déjà abusée et puis relayée par France Bleu Besançon qui a fait venir énormément de gens, il faut reconnaître. Notre association, elle est pour promouvoir surtout conservation du patrimoine puisque c'est de l'horlogerie ancienne essentiellement. Donc surtout, éveiller l'attention à tous les gens qui sont intéressés par l'horlogerie, de savoir qu'il existe de la belle horlogerie et qu'il faut la conserver pour les générations à venir. Bah, c'est tout naturel que l'AFPA soit là, puisqu'on est le plus grand formateur d'adultes en France au niveau de la maintenance en horlogerie. Et puis l'AFPA de Besançon forme à peu près 150 adultes par an au métier d'horloger, de technicien et puis d'agent également de maintenance en horlogerie. Nous ici on fait des contrôles de fonctionnement des montres, c'est-à-dire savoir si la montre est en bon état, si elle n'a pas besoin d'une réparation. Et on propose aux visiteurs de bien évidemment contrôler cette montre avec des appareils qui nous indiquent cette marche. Le côté design, on commence toujours avec un côté très, très manuel, on va faire des recherches de formes pour arriver bien à définir déjà, à trouver des lignes directrices sur un modèle. On part très rarement en commençant directement sur des choses très techniques, on oublie ça, on verra ça plus tard. Mais la recherche de lignes directrices, en fonction bien sûr on a toujours un cahier des charges pour arriver à s'orienter un petit peu correctement, savoir sur quel type de modèle on va partir, sur quelle forme, quel marché, quel serait le coût aussi, de le prix de vente en tout cas. Et puis après, c'est vrai, une fois qu'on a défini et puis validé tout ce qui est design à la main, on va s'amuser un petit peu à commencer à travailler les formes aussi en trois dimensions, donc avec les logiciels 3D, les modeleurs et les logiciels volumiques. Oui, nous présentons des montres qui sont fabriquées à Charquemont, une petite société familiale. Ces montres sont mécaniques ou automatiques. Nous les fabriquons avec des pièces détachées d'origine, c'est-à-dire qu'on peut refaire des montres des années 30, 40, 50, tout en pièces d'origine. Ces pièces sont fabriquées avec des mouvements qui sont en ébauche, ou français ou suisse. Et toutes ces pièces sont montées en série très très limitée. C'est-à-dire que c'est de la pièce détachée donc que l'on monte au boule-bout. Chaque fois qu'on a une demande particulière ou c'est nous qui décidons de sortir telle ou telle collection. Mais par contre, nos collections ne sont pas suivies puisque ces pièces sont toujours, comme elles sont toujours d'origine, on ne fait jamais de refabrication ou de copie. Une fois qu'on arrive au bout d'un modèle, on passe à un autre modèle. En fait, il y avait deux objectifs. Hein. Le premier objectif était de faire parler de Besançon, de faire briller la ville sur le plan national, hein, ce qui a été le cas avec des messages qui ont été diffusés sur le groupe Radio France, sur France Inter, France Info et sur le réseau national de France Bleu. Ça, c'était le premier objectif. On a eu pas mal de retours positifs à ce sujet. Et le deuxième objectif, c'était de rassembler les acteurs, le grand public et d'en donner un petit peu pour tout le monde, que ce soit pour la famille, avec des spectacles pour enfants, avec des ateliers pédagogiques et ludiques pour apprendre à lire l'heure, avec des expositions pour les amateurs, pour les spécialistes, il y avait aussi la bourse horlogère. On a essayé de faire en sorte quand même que l'ensemble des publics concernés puissent y retrouver, j'espère et je pense que c'était le cas.